Il a fait ça spécial, hein. Tu te rappelles, c'est contre Neuer. Oh, c'est Kylian. Pourquoi il a pas tiré? C'est repoussé à Kolo. Et c'est mérité, et c'est mérité pour Colomani. C'est mérité, les gars, pour Colomani. Parce qu'il avait fait une super première mi-temps. L'ancien Nantais et le but de Colomani, c'est un tap-in. Ça, c'est un but que... C'est le plus beau but d'Alan de la saison dernière, ça. La frappe arrêtée par Mike Maignan. Mike Maignan qui la met bien sur le côté. Le problème, c'est que Colomani, il pense les à l'émettre. Les coquines 3-0. On vous botte le cul. La passe D de Zaïre-Emery. La passe D de Zaïre-Emery. Ouais, 3-0. Fais-moi des bébés cohérents. Correa, les coquines. Fais-moi des bébés coréens. Le 3-0, c'est qui le patron? Lee Kong-in, mesdames et messieurs. Zaïre-Emery, frère. Warren, c'est trop. On va se casser la voix. Non, gros match. Tous les ingrédients. Tous les ingrédients étaient réunis ce soir. Les ingrédients étaient réunis du côté du PSG ce soir. L'ambiance, les buts, Paris, la prestation. Le PSG en a mis 3. Tous ensemble, on chantera cet amour qu'on a pour toi. Et c'est terminé, les amis, au Parc des Princes. Ce ne cessera jamais. Le PSG s'impose 3-0. Après tant d'années, face à Milan, de galères et de combats, Mbappé, oh, pour toi, qui a marqué Konginli et Colomani. Voilà, on les buteurs. On va se casser la voix. Et quel match de Zaïre-Emery. Zaïre-Emery qui a la meilleure note. Magnifique. Zaïre-Emery à 7,8. Il a la meilleure note. Tu vois, 3-0 les mecs. Ah non, c'est Donnarumma. Reine le Goth. Mais franchement, le match qu'a fait, l'entrée qu'a fait Lee Kang-in, ça a été solide. Et j'espère qu'il arrivera à s'imposer avec le PSG. J'espère qu'il s'imposera. Parce que c'est un joueur, comme je le dis, j'aime bien le dire, mais c'est un joueur qu'on a vraiment envie d'aimer. Et en plus, c'est un joueur qui vend beaucoup plus de maillots qu'Mbappé, etc. Apparemment, les gars, celui qui vend le plus de maillots au PSG. Mais on a envie de l'aimer, ce joueur-là. On a envie de l'aimer. C'est un joueur qui dégage une bonne humeur. C'est un joueur qui dégage de la sincérité, qui dégage l'amour et le respect pour le club. C'est un joueur qui dégage beaucoup de choses et c'est un joueur de talent. Parce qu'il ne faut pas oublier l'essentiel, il est là pour jouer au foot. Et c'est un joueur de talent, un joueur qui peut faire énormément de bien. Mais son entrée aujourd'hui a été très bonne. En tout cas, l'essentiel est fait, on remporte ce match 3-0. Le gros test, moi, là où je serai vraiment intransigeant, ça sera pour le retour à San Siro. Il va falloir récupérer des points là-bas parce que ça va être très important. Dortmund a battu Newcastle chez eux, donc on est leader. On est en paix, on est sixième, on est premier pardon, avec 6 points. Dortmund et Newcastle ont 4 points tous les deux. L'AC Milan en a 2 points. Donc, l'AC Milan va...